Alors vous êtes ici au golfe de l'île d'Or, une île située au milieu de la Loire. Donc ce golfe qui a déjà une vingtaine d'années est un parcours 18 trous classique et un 9 trous d'entraînement pour les débutants avec toutes les zones d'entraînement que le golfe requiert. On a aussi donc le clubhouse aménagé dans une ancienne bergerie. Ce restaurant charmant vous accueille et est ouvert à tous pour les golfeurs et non-golfeurs. Alors ici, il y a plusieurs types de golfeurs. On a d'abord les membres qui représentent la majorité des joueurs qui jouent donc toute l'année. On a les débutants qui s'entraînent sur la zone d'entraînement et sur le parcours qui leur est réservé pour ensuite aller sur le parcours plus classique. Et puis, il y a aussi l'école de golf avec les jeunes. On a vraiment vocation, de par notre cadre, d'être un golf familial, convivial, parce que c'est vrai que le golf n'est pas que réservé à une élite comme on peut le penser. Les comités d'entreprise ont leur place ici dans le clubhouse pour faire des séminaires, des repas d'affaires et bien souvent ils aiment agrémenter leur séjour sur le golf par une initiation. Ça peut être en plus petits groupes, ça peut être des formules avec des petites compétitions internes pour faire ensuite des remises des prix. Il y a pas mal de choses qui sont possibles d'être faites. Donc commencer le golf, c'est assez très abordable et le continuer, c'est en fonction de ses besoins. Mais on peut aussi faire des initiations en famille ou individuelles. Et pour ceux qui sont déjà un petit peu initiés, on peut profiter des parcours en fonction de son niveau, du parcours compact ou du grand parcours. Et les non-golfeurs, les accompagnateurs ou même les joueurs tout simplement extérieurs peuvent profiter du clubhouse, du restaurant ou du bar en toute liberté et en toute convivialité. C'est une ambiance très conviviale. Le clubhouse a été rénové récemment. C'est très agréable du déjeuner. Les membres sont très, très gentils. Et voilà, c'est des compétitions, c'est vraiment dans une bonne entente. Et donc voilà, c'est très agréable. Alors le restaurant de l'île d'Or a la particularité d'avoir de très belles salles qui donnent sur un golf et une très grande terrasse. Par des temps ensoleillés, comme vous voyez, comme aujourd'hui, c'est vraiment très agréable. Autrement, pour parler de la cuisine, on a une cuisine un peu simple pour les gens qui viennent tous les jours, plus grillade, quoique l'on fait aussi des petites spécialités du bord de Loire. Il y a des huîtres, des anguilles, du beurre blanc, des cuisses de grenouille. Et autrement, on a une carte pour nos banquets, des mariages, on fait des séminaires aussi. On a tout, disons, pour recevoir un public assez nombreux qui, en dehors de la closerie dont je suis aussi propriétaire, on n'a pas là-bas la capacité de recevoir des grandes tables. C'est pour ça qu'ici, parmi la clientèle du golf, qui est une clientèle très sympathique et qui arrive là, bien sûr, beaucoup plus décontractée, c'est des espaces de jeu, de loisirs, on n'a pas du tout la même approche avec la clientèle, quoi.